directeur du centre. Le centre de formation. Il est ici. Et le directeur du centre. Et le directeur du centre. Un chat de terrain. Ravie d'être ici. Vraiment. Il était déjà là il y a 20 ans. Alors, on y va? Allez. 1, 2, et voilà. Voilà. Bravo. Voilà. Alors, ah oui, au moment des JO. Voilà. Alors, il y a... Voilà. Les ancêtres étaient contrebandiers. C'est logique, dans les Alpes. Merci voilà. Beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le symbole était fort parce que nous ne pouvons vivre ici qu'au travers de la structuration de la saisonnalité, de la pluriactivité. Et ce centre de formation est un des fleurons. Avant, nous avions l'habitude d'avoir des boîtes qui venaient de Hollande ou autres, qui écrémaient la clientèle touristique en juillet-août et qui disparaissaient. Maintenant, nous avons une vraie salle de classe sur la Durance, avec des jeunes qui sont formés, et le mot « vivre et travailler au pays » est devenu très signifiant pour notre région. On va t'entraîner. Dans le cadre de la loi travail, on a porté une définition de ce qu'est l'emploi saisonnier. C'est très important ici, bien sûr, dans ce département des Hautes-Alpes, mais pas seulement. On voit bien qu'on a un enjeu de mieux sécuriser les parcours professionnels des emplois saisonniers. Et d'abord, il fallait fixer une définition juridique de ce qu'est l'emploi saisonnier. C'est fait avec la loi travail, mais c'est pas seulement. Nous essayons aussi, nous développons la négociation dans les branches professionnelles pour justement faire que l'emploi saisonnier puisse être reconduit. On entend beaucoup d'employeurs qui disent on a des difficultés à fidéliser, à recruter. Et en même temps, on a d'autres difficultés pour les salariés eux-mêmes. C'est que nous voyons bien que quand on travaille l'hiver, par exemple, à la montagne, bah, l'été, et c'est le centre de ma visite dans ce centre de formation, l'été, on va acquérir des compétences, par exemple, pour être moniteur de kayak, ce qui fait qu'on va travailler beaucoup plus dans l'année. Et donc, la question de la professionnalisation, de la formation, rendre la formation plus accessible aux saisonniers, c'est un élément déterminant.